Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le haul de chez C2Euro. Donc, du coup, que j'ai fait samedi. Donc, c'est dans le deuxième arrondissement, dans le premier arrondissement de Lyon, pardon. Donc, comme son nom l'indique, tous les produits sont à 2 euros, sauf le sac qui m'a coûté 50 centimes et qui a déjà craqué au niveau du nance. Je verrai si je peux le réparer. Donc, je vais pas vous récapituler tous les prix des produits vu que c'est tout à 2 euros, à part le sac. Donc j'ai eu cet article donc pour 14,50€ vu que... Alors 6 ou 7 articles, je sais plus. Donc on a tout d'abord ce petit jouet, donc une canne à pêche pour chat. Je verrai si ça peut plaire à Pix, sinon bah SPA. Le jouet, bien sûr, pas le chat. Quoique. Ensuite ça c'est pour éviter de mettre des torchons sous l'égouttoir à vaisselle. Donc je voulais mettre ce petit tapis. Un petit tapis dévié, moi je voulais le mettre sous mon égouttoir en fait. Alors ensuite, donc il y a cette fameuse boîte de rangement. Et du coup, les produits qui s'y trouvent. Donc, un autre jouet Babal pour Monsieur Pix. Voilà, donc une balle en laine de la marque Zamibo. Voilà. Un savon de fiel, parce qu'apparemment, une amie me l'a conseillé. Pour détacher certains linges. J'ai notamment un tablier où j'ai une tache grasse qui ne veut pas partir. Donc, je vais voir si ça part ou pas. Donc, c'est apparemment connu. C'est un savon au gras de bœuf. Donc, c'est pas du tout vegan. Hein. Je vois pas pourquoi on irait boire, manger ou fumer pendant l'utilisation du savon. En fait, quand on voit les consignes, les recommandations, je sais que c'est par précaution, mais ça fait peur, en fait. Hop, donc c'est pas un savon anodin. Ensuite, de chez l'Arbre Vert, j'ai pris une bouteille de liquide vaisselle. Donc, sans colorant, sans allergène, emballage 100% recyclable. Et normalement, c'est spécial peau sensible. Donc la bouteille pardon, de 500 ml. Et ensuite, pour terminer, j'ai pris cet article-là, qui est en fait une brosse à vaisselle. Une brosse ménage, brosse vaisselle. Mais en... Alors, ouais, il faut imaginer le manche avec la tête, donc qui est la brosse. Sans l'habillement, l'emballage, quoi, sans le packaging. J'ai trouvé ça vraiment très drôle, donc c'est vrai que je l'ai prise. Il y en avait aussi en brune. Mais je trouvais que la blonde était pas mal. Voilà. Donc, on ne fait pas le récap des prix, parce que de toute manière, tout était à 2 euros. Et donc, j'en ai eu pour 14,50€ tout ce bazar. Alors, bien sûr, pour ce prix-là, on n'a pas des produits de haute qualité. Hein, mais on a quand même des produits qui sont corrects, qui sont sympas. Ça, je suis contente de pouvoir le découvrir. J'essaie de regarder si ça avait été fait en Chine ou ailleurs. Mais ils communiquent pas beaucoup sur... Ah, marque française. Mais ça ne veut pas dire que c'est fait en France. Voilà, voilà. Là, ils veulent pas préciser d'où c'est fait. Clairement, quand ils en parlent pas, c'est que c'est fait ailleurs. Donc voilà, c'est tout pour ce petit haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!